Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur EU4 avec Macintor. Et tout le monde. Donc là je me dis que je vais peut-être augmenter les relations avec des blends un petit peu plus loin comme Langzang là, ou la Yutaya, histoire d'avoir peut-être des alliés. Déclarer la guerre à Tyrou, je me retrouve. Oui! Est-ce que il sera. Technologie niveau 9, un administratif. Ah, il va se faire vassaliser. On va faire Alliance. Je vais abandonner ma mission de le faire disparaître de la map. L'autre, la mission, c'est faire disparaître de la map, et là, je peux le diplo-vassaliser. Je peux le diplo-vassaliser, quoi. Aussi. Ça me permettra de m'étendre au nord. 19. On le garantit, donc ça va légèrement détendre les gens autour. Ensuite, on a amélioré les relations. Qui m'a mis en rival l'autre. D'ailleurs, bah, je vais le mettre en rival. Faut pas qu'on en avait de trousse pour regarder sa vite fait. Malwa. Malwa, on avait 54 de trust et le mec il a pété l'alliance avec moi quoi. Je vais le mettre en rival. C'est con de sa part. On va le mettre en rival, hein. J'ai remarqué ça des fois quand tu as des events comme ça, des créations de nouveaux pays ou des events comme ça, t'as l'IA qui regarde immédiatement tous ses choix. Ça m'est arrivé une fois, là, je jouais la France. Bon, j'avais pas une menace de collision sur le groin parce que bah, voilà, je joue la France et puis bah, c'est moi. Et j'avais bon bah évidemment l'Espagne en ami, enfin la Castille plutôt, en allié. Et puis tu sais, bien que tu sais, ben, plus 40 de faveur et tout, voilà. Et là, je vois le mage ibérique, et là, pouf, d'un coup, l'Espagne, c'est quoi qui a calculé tout et qui m'en rival. Oh putain. Et là, d'un coup, je me dis, merde, j'ai plus de rival, bon, ben, là, je vois tout c'est qu'Espagne, et puis ben, le mois suivant, Autriche déclare la guerre. Bande d'enculés! Ça. Motif de la guerre, guerre de Oui, collision, c'est évidemment. la merde. Du coup, c'est chiant quand même. Faut faire très attention au genre d'event. Création de nouveaux pays. Ça peut niquer toutes les alliances. Ah, par contre, c'est ça dans ma partie que j'ai oublié, c'est quand tu te mets en protectorat aussi, tu perds tes vassaux. Ah ouais? Donc c'est mon vassal que Ah oui, c'est vrai! j'avais. Tu l'as perdu. Ça, c'est un peu moche quand même. Discoverer d'un agent, le mien qui crée des trucs et le comment s'appelle l'autre, Ramissou, le Timuride. Gretti est mort. Oh le nouveau 5-1-4. Bah, il avait fait de crever l'ancien. En plus, il est beaucoup plus jeune. Pas Il a mal. 10 ans. Et sachant. Attire-moi, je vais claquer mes points et je vais créer mon territoire. Voilà. Merci. Voilà. Devenir un empire. Bien. Voilà. 100 natifs de plus. Bon, je suis Venez là, les là. gars. Route. Coloniser machin, c'est tout. Kylian, t'es la prochaine. Pas moyen de gratter des trucs là. 428. Oh bien, le Népal s'est séparé de Jaipur. Ça dit quoi, t'as tes annexions? Ça passe bien, là je suis en train d'accéder aux Okawa. J'entends que les autres là au nord se foutent sur la gueule. Oh, parle d'un mariage, Oh, ok. les Okawa, d'accord. T'as fondé le barat enfin. J'ai con. Ouais, mais. Le temps. Ouais, mais c'est joli hein. Et. Oh merde, faut suivre avant qu'il revienne. Ah, le barat avec sa couleur verte. J'aime bien le fait qu'ils ont pris le drapeau moderne, mais bon, avec un symbole hindouiste. Le symbole hindou dessus. Alors qu'il faut quand même pas oublier que pour le drapeau actuel de l'Inde, l'orange c'est l'hindouisme,
Le blanc, c'est l'unité, la prospérité, et le vert, c'est l'islam. Ça étonnerait que les mecs, justement, qui à l'époque se battaient contre les princes musulmans, auraient mis du vert à leur drapeau. Mais bon, j'y suis, j'y ai rien. Mais je fais un truc, moi. Surtout moi, je suis légèrement en mode conversion sauvage. Bien. C'est combien que vous? 40 d'influence. Waouh. On va monter ça alors. Bon, les guides des marchands, qu'est-ce que vous voulez comme province? Couverture du mouride. Quelle surprise! Et ben on va faire un petit coup de hop. Maintenant, les marchands, vous filez New World Charter. Voilà, hop. Charte de nouveau monde. Charte de nouveau monde, ça permettra de coloniser plus vite. Ouais, ça c'est pas mal. Bah, t'as celui-là et t'as l'autre des Oui. religieux qui fait le machin où tu gagnes. J'ai pris les deux. Ça qu'il faut que je pense à faire, je crois, avec le. Voilà, hop. Le dernier corps, il est bon. Ok. Tiroute, on devrait bientôt pouvoir le diplôme vassalisé. Gorwan, on va prendre la mission. Notre manpower doit en revenir. Non, je vais pas jouer à Dota. Ah, les amis qui vous invitent là. Ah, je regardais par contre, c'est les. C'est vrai que le Jaune Pourpre, c'était quand même ce que j'ai le plus gros autour de moi, je l'ai défoncé. Enfin, je regardais vite fait le classement là, le classement des pays. Développement. Ming, il est gros. Ottoman, ensuite c'est moi le troisième. Moscovie, quoi. Jaune Pourpre, ouais, c'est 183. Et Utaya et Bengale, 140. Bengale est allié avec qui? Delhi, Malwa, Tirith, ça fait gros. Bon, je Jaunpur. vais gagner tout, crétin. Je vais dire non. Ah, j'ai hâte de pouvoir être frontalier avec tous les petits machins de merde là qui sont en Indonésie. Ouais, tu vas te gaver Ah oui. alors. Vas-y. C'est vrai que j'ai tout ça. C'est bien, parce qu'en 1550, on n'aura pas, j'aurai pas de problème de coût d'institution. Là-bas, ça paradis acquis comme allié. Blague, la Renaissance progresse chez le Sibérien. Y'a pas le féodalisme à la Renaissance, hein. J'ai vérifié.
On dirait de la merde. Un agent chez lui, bon, enfin chez moi qui est expulsé. Ok. Ok, il veut plus de... J'adore le fait que chez les Ming, l'empereur s'appelle et de la famille des Zhou. Lou? Zhou. Lou? Oui. C'est quoi ça, c'est les Ming sur le trône, ici? Mais là, c'est les Zhou. Lou? Ouais, c'est vrai que les... Ouais, théoriquement, on la distingue. C'est vrai que les dynasties, on la regarde un petit peu. Il y a les Sangama. C'est que chez nous, c'est chaque pays a son. Toi, c'est les. Chicago. Les gars. Ah ouais. T'as les Borjigines en dans les steppes là, de Mongolie, c'est normal, ça fait vite Gengis Khan. Hâte que Taketa bouffe le vassal de Daté là. Parce que le problème c'est que Daté est tout faible, le Taketa pourrait le gober, et le problème c'est que Takeda est allié, enfin Daté est allié avec Hosokawa. Une fois qu'il n'y aura plus Hosokawa, pas sur qui je vais taper là. Route. je sais pas. Toujours une grande question ça, sur qui on tape? Fait, je dirais pas, j'ai que l'embarras du choix là. Bah tu tapes sur du musulman, c'est une valeur sûre. Tellement un procès au cul un jour. Et je pense, ouais. On va se retrouver, ils vont plastiquer ta bagnole. En même temps, j'habite dans une ville qui est quand même assez assez rurale, donc déjà la campagne ils aiment pas trop. C'est la jungle urbaine qu'ils préfèrent. Puis c'est pas le genre de ville où ils traînent, c'est pas le genre de milieu où ils traînent. Oh, il y a un ou deux intégrés, il y a bien un petit kebab dans le centre-ville, mais bon. C'est plutôt une curiosité exotique, on va dire. Voilà, j'ai un nouveau vassal. C'est tellement immonde. Grave. On pour... Est-ce que si on... Peut-être pas. Et pour ceux qui se posent la question, non, je suis pas raciste, c'est juste qu'aujourd'hui je suis un peu déchaîné. J'ai téléchargé limite limite d'ailleurs sur comme application sur mon téléphone. Et le mec il passe à tour de bras là. Tout seul. Ah merde, ma mission est ratée. On envoie une de mes armées, pas besoin de l'autre. Oh, je produis du café. Le café japonais, le meilleur au monde. Non, le café de Malabar, le meilleur du monde. Vraiment plus, hein. Café de Malabar chez moi. Les technologies, ça dit quoi? Ça dit que je suis à la bourre maintenant.
faut que tu notes une chose, c'est quand même que le Team Wood est... on est en 1526, il a toujours pas explosé le machin. Bon, je conseille de faire gaffe, le Timouride il n'y a plus qu'à bouffer Delhi et puis Central d'Oeb et créer l'Empire Mogol. Donc fais attention. Ouais, mais il explose en vol le Timouride. Bah, il tient pour l'instant le bâtard. Hein. Fais attention. Hein. Il tient. Ouais, bah. Il tient plus de ce quand je vais jouer. Fais gaffe, le... Ah, bah, c'est vrai que s'il crée l'Empire Mogol, il explose en vol quoi. Ah non, il se stabilise, c'est plus une Il est horde. très gros là. Ouais, peut-être avoir des éléments de merde qui lui feront perdre la Perse, mais bon, au moins il se stabilise, c'est plus une horde. Ce qui est pas négligeable. M'étonne. Être une horde, l'un des pires malus dans le jeu. Qui est-ce? Ouais, bonjour. La loi n'est plus valide. Le type bourri des Liming, quand même. Avec Malo, est-ce que Malo, tu réacceptes? Non, lui, je suis rival. Donc, on a passé à moins 62 relations. Mais bon, j'ai pas envie de le défendre. Je défoncerai, mais. Il m'a bien aidé, quand même. Hein. Enfin, ah, s'il m'a aidé un peu. Les trous, c'est songe. Malo, en 1527. Là, j'ai le coup. Alors que que les Coréens et le Ming m'apprécient parce que je détruis les pirates, je m'en fous totalement. Je veux gratter leur pognon hein, en les taxant. Casse les pieds. Le grade d'études 28, j'apprends ça. Ok, ben bah nous on va attendre. Ça va, t'amusais bien? Il est beau mon écran fixe, hein? Regardez ces côtes. Imaginez, en voyant toutes les formes, qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les dessins? Qu'est-ce que votre esprit visualise? Regardez ces petites taches. Faites jouer votre imagination. Regardez ça, profitez de la musique, c'est reposant, non? Ouais, toi aussi ton écran fixe, moi pareil. C'est pas sûr que je vais taper. D'ailleurs, est-ce que j'ai pensé... Ah, dans 1 minute 20, c'est la fin d'épisode. Je sais pas sur qui mettre, si je suis en guerre, c'est vrai qu'actuellement. Là, je suis en full entretien de mon armée. Les forts, ils sont tous entretenus, et je suis encore bénéficiaire. Je commence à avoir l'économie qui se lance. En fait, c'est vrai que maintenant vu la taille de mon pays, je pense que le plus dur est fait, quoi. Peut-être aller taper sur le lui. Ah, je déclare la guerre. Bengale avec mon Yang défonce Malwa. Théoriquement, je vais m'allier à Malwa. Moi, je m'en fous, Malwa. Non, je vais déclarer la guerre. Je suis déjà en guerre avec le Népal. J'attends que son siège soit fini. Ou je me pourrais aller avec qui? Et Kangra.
Bon, et ça fait le tingling de fin d'épisode. Donc voilà, on va s'arrêter là, les gens. On vous dit bye bye donc, et à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le monde! Salut tout le monde!